Ce lieu n'est pas une salle de repos, mais plutôt l'unité de réanimation Covid. Le service accueille les malades atteints de coronavirus présentant les signes graves de la maladie. Maman, respire calmement. Le déni de la réalité, l'automédication associée aux facteurs de comorbidité de ces patients impacte négativement la prise en charge. Vous allez observer que l'itinéraire thérapeutique de ces patients est souvent d'une très longue durée. C'est souvent des gens qui ont commencé par des soins de l'automédication à domicile. Vous avez entendu ce que l'un des patients me disait, c'est-à-dire qu'il a fait l'automédication. Après l'automédication, il continue à faire des potions qui ne sont pas de bonne nature. Et lorsqu'ils viennent souvent, ils viennent directement dans un état très très grave. Dans cet univers rempli d'équipements qui viennent suppléer certains organes affaiblis, nous avons rencontré un malade en sevrage d'oxygène. Ici, c'est le plus ancien de nos patients parce qu'il a 35 jours d'hospitalisation et est passé par toutes les étapes pratiquement de la réanimation Covid. Quand je suis arrivé, la respiration était très difficile et j'ai dû passer par le respirateur artificiel et après, on a enlevé, on m'a mis le masque à haute pression. Après ce masque, on est descendu au masque ordinaire. Et puis, actuellement, j'ai les lunettes, mais je suis en phase de sevrage. Ces patients sous haute surveillance ont à leur service une équipe médicale qui se relaie nuit et jour. Signalons que ce service de réanimation Covid-19 du Centre hospitalier universitaire de Libreville a ouvert ses portes depuis le mois d'avril.